The President, please be seated. Le Président, veuillez vous asseoir. The court is now in session. Bonjour, l'audience est ouverte. During this week's session and at the beginning of this week, cette semaine, the chamber will hear parties putting documents before the chamber. And before we proceed, the chamber would like to inform the parties to the proceedings in case file 002 that during the whole week of this hearing, starting from today until the 16th of February, and due to the fact that Judge Silva Cartwright has some health concern, she is not able to attend the proceedings. And having consulted with judges of the bench, I, the president of the chamber, has assigned Judge Claudia Fence to be in the place of Judge Sylvia Cartwright during her absence. Remplacer la juge Cartwright en son absence. And this is pursuant to Rule 79.4 of the Internal Rules. 79.4 du règlement intérieur. The Greffier of the Chamber, would you wish to make any observation concerning the presence of the party? La parole est maintenant au greffier pour faire référence à la présence de parties dans le greffier. Today we note new counsel for Kyo Sampan. Nouveau conseil de Kyo Sampan. Mrs. Anagis has not yet taken an oath. N'a pas encore Thank prêté you, Mr. serment. President. Je vous remercie, Monsieur le Président. The President, Counsel Anagis, could you please be on your feet? Maître, veuillez-vous le lever. The President, Counsel Anagis, during these proceedings, and that you have not yet fulfilled the procedural formalities according to our applicable vous law, because you have not taken an oath before the appeal serment. Court. The chamber allows you to be present here only to observe the proceedings, but you are not yet allowed to make any observations until you have taken an oath before the appellate court. Please be seated. Merci. We would like now to proceed next to the prosecution. La parole est maintenant à l'accusation. The chamber has allocated certain time La chambre to the prosecutors and the lead co-lawyers for the civil parties donc du temps for the purpose et aux of civil pour la the evidentiary documents hearings before us today. We would like to know how times have already been allotted among l'accusation the et les parties civiles sont co-prosecutors and se partager the lead co-lawyers for the civil party. Could partie. You please advise us? Pouvez-vous nous dire? Merci, Monsieur le Président, Thank you, Madame Mr. et Messieurs les juges. Your honors. Nous nous sommes effectivement Indeed, accordés entre les co-procureurs et les avocats des parties civiles sur une répartition du temps. Well, ce matin, nous allons commencer morning, à présenter un certain nombre de documents. Mes collègues cet après-midi My et demain continueront et jusqu'à une certaines heures dans l'après-midi, and je pense vers 15h demain, et à partir de ce moment-là, ce sera au tour des parties civiles d'intervenir, et jusqu'à mercredi midi, si je ne me trompe pas. Noon, je vous remercie. Thank you.
The President, lead co-lawyers for the civil parties, do you have any issues to raise or you agreed with what has already been indicated by the prosecutor? Counsel Pickang, Mr. President, thank you. We have already discussed with the co-prosecutors and we agree with what has already been stated. The President, thank you. Counsel for Nguyen Chia, you may now proceed because we noted you on your feet twice. Yes, thank you. Maybe to make the proceedings run as smoothly as possible. And also to allow my client to digest all the information that will be presented to him today and tomorrow, it is better or easier for him to respond The President, unfortunately, your message has not been rendered into the other languages. Nous n'avons pas entendu l'interprétation en d'autres langues de votre intervention. President, Counsel for Nguyen Chia, could you please repeat your statement because it was not yet conveyed through the interpreting channel yet. Dont l'interprétation a été perdue. Thank you, Mr. President. I hope it works now. Merci, Monsieur le Président. J'espère que cela fonctionne maintenant. Am I being translated or interpreted? Vous m'entendez? My suggestion would be, allow my client to respond or to comment on all the documents which are going to be presented to him today and tomorrow and Wednesday morning after the prosecution and the civil parties have finished presenting their documents. It takes time for my client to digest all the information that is presented to him. And for us, it's easier to make copies of the relevant documents, give them to him so that he can read them in the detention center, and then it's much easier for him to comment on them. If he only hears one quote out of a document, it's very difficult for him to react to that particular quote on the spot. It might also save time if he reacts in one go, and so that it doesn't force him to repeat himself all the time, every time a document is presented to him. That's the first thing I wanted to raise. There's another point I would like to raise, and that is regarding an incident that occurred last Wednesday. Qui s'est produit mercredi dernier. I believe it was the 8th of Wednesday, le 8, after I raised a controversial point. Après I will not mention it again. Point de controverse que je ne but during that incident, I was addressed by the President, le président. No less than 12 times, I've been told, reprises, with Na-ing. M'a appelé it's an expression I'm not familiar with. Une expression que je ne connais pas. It was not translated into English. Il n'a pas été traduit en anglais. It is mentioned on pages on la retrouve with ERN numbers 00777437 to 439. I'm not familiar with the Khmer language, as you know. Comme vous le savez, je ne parle pas la langue And it was not interpreted. Et but comme I was later told by several people pas entendu, mais plusieurs that the expression is highly unusual. Il s'agit d'une expression tout à fait inhabituelle. À utiliser dans un tribunal. Certainly to address one of the other surtout parties. Lorsque l'on s'adresse à know, une autre des parties. Even understand that the language is je crois comprendre inappropriate, qu'il s'agit d'une, if not simply rude, inapproprié, voire impoli, and it could even be interpreted as et pourrait même être interprété comme étant des paroles not intimidantes. Just to me, but pas more importantly moi, also to my client. Mais surtout pour mon client. Mr. President, I may have raised issues you're not happy with, but I've never addressed the court inappropriately. Mais je n'ai jamais utilisé le court inapproprié the court to address us dans le prétoire, appropriately as et well. Nous apprécierions que le tribunal s'adresse à nous en termes the use of the word na-ing, l'utilisation de ce terme na-ing, to address me or my client only helps to further undermine the integrity of this court, ne fait que miner l'intégrité de ce tribunal. And equally important, it could give et plus important, the appearance of bias. Pourrait aussi
a neutral faire observer of these proceedings, donner une apparence de parti pris, could be led to believe that you, Mr. President, que vous, are unable or unwilling to judge my client Nguyen Chia with the necessary emotional distance mon and client avec la distance affective nécessaire et l'objectivité requise. Voilà ce que je souhaitais soulever ce matin. Merci. The President, thank you for the observation made by counsel for Nguyen Chia. Next, we proceed to the co-prosecutors. La parole est maintenant au co-procureur. To proceed with the documents they would wish to put before the chamber. Pour la présentation qu'ils souhaitent des documents. The President, could you please hold on a little bit? Plutôt veuillez attendre. Because counsel for Khieu Somphone is on his feet, you may défense proceed. De Khieu Somphone demande la parole. Vous avez counsel Kong Somphone. Maître Kong Somphone. My sincere apologies for interrupting the co-prosecutor. But I would like to raise this concern before the co-prosecutors. Le point suivant, presenting their documents, avant le début de la présentation des documents, I would like to know how the list of documents are going to be presented at the best interest of the court, la liste des documents, that, so that the chamber can find justice for et ce, dans le meilleur intérêt du tribunal pour que la Chambre puisse trouver According la justice pour toutes to les parties. According to the observation by counsels for Khieu Somphone, we note that the list la défense of de Khieu Somphone note que la liste de documents via email during weekend a été envoyée par courriel lors du items. Weekend and the list itself comprend 88 documents. Include all the documents to be allowed by the chamber for debate. It is therefore these documents, the majority of which are la new documents. De ces documents qui sont nouveaux. And the problem before us is that the presentation of the list by the prosecutor a moment now will be la présentation des documents the opportunity for the prosecutors to tell the public to understand or to learn of the documents. However, there is no time la for des challenging pour la fois. Such il y aura pas documents de temps pour being put. My question de ces to your honors is whether parties are allowed any time to challenge si such new documents. Auront la possibilité and de I also have another question documents. As well j'ai as to how new documents are allowed to be put before the chamber at comment this time and whether such introduction of new documents impact documents the rights of the accused persons cela or not. A une incidence sur I therefore les droits des accusés. Would request that the co-prosecutors be allowed to present only those particular relevant documents, de déposer les documents and in particular only documents that are stated in surtout, document E3. No other documents E3 shall be et pas d'autres documents introduced here that are not relevant to the historical background qui of the Democratic Cambodia. Thank le you, context Honor. Historique du Cambodia démocratique. The President, co-prosecutor, you may proceed. Le Président, first. La parole est maintenant à l'accusation. Je voudrais répondre à cette intervention, Monsieur le Président. La défense nous dit que nous allons présenter de nouveaux documents. À notre sens, il ne s'agit pas de nouveaux documents comme la Chambre l'a défini dans un de ses mémorandums. Les nouveaux documents seraient seulement des documents qui auraient été présentés après le tableau qui a été envoyé aux différentes parties en juillet de cette année. Le mémorandum de la Chambre pour cette audience dit clairement que l'on peut présenter des documents qui sont déjà mis devant la Chambre ou qui ont été
antérieurement identifiées par les parties comme étant pertinentes pour le dossier 002/01. Et nous pensons que les tableaux qui concernaient la phase initiale 1 du procès qui ont été envoyés en juillet, c'est-à-dire à peu près 4 000 documents, font partie de ces documents qui sont donc pertinents pour cette section du contexte historique de ce procès. Focusing on the historical voilà, donc il ne s'agit pas de nouveaux documents, mais bien de documents qui ont déjà été identifiés préalablement et que la défense a pu analyser depuis déjà de nombreux mois. Was able je vous remercie. To analyze, since long. The President, Counsel for Khieu Somphorn first. La parole est d'abord à la défense de Khieu Somphorn. Counsel Khieu Somphorn. Thank you, Mr. President. I wish to respond to what the co-prosecutor just stated. He indicated that the list of documents were no new documents at all. I think, having observed the table presented by the co-prosecutors, 24 documents are irrelevant. And I would like just to give you an example. Document 17, documents pertinents. Thank you. Comme nous l'avons déjà discuté. The President, Counsel for Khieu Somphorn, could you please advise us whether the documents you indicated were irrelevant based on your observation or there are new documents genuinely? And how can you identify whether these documents are new, whether they are not yet put before the chamber or in the case file, or whether the documents have not yet been placed for debate during the hearings so far? The documents to be put before the chamber now are documents subject for debate. And if you observe that they need to be challenged, you can also make your general rebuttal statements. And I think it is pursuant to the procedures set forth in the internal rules. The chamber indeed will examine the documents because we treat that your observation may be of your personal point and that the chamber may think differently. And if the party feels that the documents are useful for the proceeding, they can propose and that ils peuvent les proposer. They can ask that the document be put before the chamber pursuant to rules 87.4, and the chamber will also consider rule 87.3 as well. Et la règle 87.3 guidera aussi la Council Khieu Somphorn. Thank you, Mr. President. With regard to the documents as indicated by the prosecutor, and sent to parties through email donc during cette the weekend. Liste de documents que les coprocureurs ont envoyés aux parties par courriel. They are not entirely new documents. Ce ne sont pas des However, the documents have not yet been debated nouveaux, before mais the documents chamber. N'ont pas encore fait l'objet de débat and dans la chambre. These documents
has not yet been classified by the chamber as a document in E3 yet. I therefore am of the opinion that the document will not be challenged by parties as we see, because if the prosecutor introduces these documents and that parties have no opportunity to challenge, it perhaps be concluded that the chamber has acknowledged or recognized the documents. Counsel for Inquiry, you may proceed. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honor. Good morning to everyone in and around the courtroom. Perhaps if I could clarify some matters. We received a list over the weekend, a list of documents which, while they may be on the prosecution's list for the entire case 002, some of the documents are not designated for case 002/1. This morning, we did send an email to Mr. Smith, noting that we saw documents on their list, que nous avions remarqué que sur la liste figuraient des documents qui, which may be on their overall list for 002, but not on the list for 002/01. We've asked the prosecutor to identify all the documents because we think that this is appropriate. At this point, perhaps the trial chamber should clarify for all the parties so that we're all on the same page, we all fully understand the procedure, whether the parties are allowed to use whatever documents is on their list for the entire case 002 or limit the documents. Les parties doivent-elles plutôt se limiter aux seuls documents prévus pour le dossier 002/1. I think with some clarification, this would alleviate si la Chambre pouvait apporter quelques précisions, cela nous éviterait d'avoir ce débat if it is ce matin to be limited to 002/1, s'il s'agit de documents qui ne portent que sur la première phase du procès 2, understanding that no such other documents should be attempted to be introduced by the prosecution unless they first seek leave from the court. À moins de recevoir, bien sûr, autorisation de la Chambre pour and in the future, if this is indeed the procedure, they also notify the parties so si we don't have to hunt procédure, and double-check their list. Aussi les parties, que nous n'ayons pas à contre-vérifier la liste qu'ils nous ont fournie. Donc voilà où nous en sommes ce matin. Merci. The President, International Prosecutor, you may now proceed. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais simplement préciser que les coprocureurs ont évidemment l'intention de se conformer au mémorandum qui a été envoyé par la Chambre aux différentes parties et donc de ne présenter que des documents qui seront pertinents par rapport au contexte historique et cela peut être des documents qui ont déjà été débattus et qui portent un numéro E3, mais également d'autres documents, comme je l'ai dit, qui ont déjà été placés sur les listes des coprocureurs. Il est possible que certains des documents parmi les 88 sont particulièrement utiles pour corroborer d'autres documents. Mais en tout cas, au fur et à mesure que les débats auront lieu sur ces documents, je pense que vous serez convaincu que nous ne débordons pas du cadre de ce procès 002/01. Je vous remercie.
The President. The Defense Counsel for Yingsari, you may proceed. Thank you. My apologies, but from listening to the prosecutor, he has not told us concretely whether indeed they have added documents from 002 that they may have identified that are outside the list of 002/1. That's the question. C'est la question. Because if looking at your memo, Your Honors, of 8 February 2012, it would appear that the documents have to be identified as being listed for case 002/01. So my question, Your Honors, is to the prosecutor, to answer the court concretely and forthrightly whether they have added documents. En disant, we have pointed out in an email sent this morning dans le courriel two examples, D312.2.8 and D366/7.1.632. Now, we could be mistaken, peut-être que but nous from avons listening to the prosecution's response to Your Honors, he did not concretely tell us whether indeed they are going outside that list. If indeed they are, then we suggest that they seek leave. L'accusation devrait demander l'autorisation qui pourrait être accordée par la Chambre. Mais c'est ainsi qu'il convient de procéder. Merci. Le président. The international co-prosecutor, you le coprocureur international a à présent la possibilité d'apporter issue. Des précisions à ce sujet. Referring to the memorandum s'agissant of the trial chamber dated the 9th of February 2012 on the oral hearing on the documents to be presented by parties, the chamber consacrée à la présentation d'arguments oraux sur les documents. It is abundantly clear, so this issue ce mémorandum nous semble parfaitement limpide. And le problème n'a pas lieu d'être. Reminds party in paragraph la Chambre attire l'attention des parties sur le paragraphe 2 du mémorandum, où l'on dit, tel qu'indiqué précédemment, la Chambre a l'intention d'accorder aux parties la possibilité de lui présenter un nombre limité de documents qu'elle considère comme particulièrement pertinents par rapport aux faits relatifs au contexte historique de l'avènement du régime du Kampuchea démocratique examiné dans le cadre de la première phase du premier procès dans le dossier numéro 002. Le but de cette audience est de garantir que l'aspect documentaire du procès soit le plus largement possible accessible au public et de permettre aux parties qui le souhaitent d'attirer tout particulièrement l'attention de la Chambre sur des documents qu'elles considèrent comme essentiels pour étayer les faits ayant fait l'objet de la première phase du premier procès consacré au contexte historique. From their perspective. So this is a mere reiteration of what has been indicated telles in the memorandum of the trial chamber, dans so le mémorandum de la Chambre. Comply with this et il incombe aux parties de respecter les instructions données dans ce mémorandum. You may la parole now est à présent au coprocureur international qui a l'occasion d'apporter de dernières précisions quant à l'intention de l'accusation pour ce qui est des documents contestés par la défense. Document lists intended to be presented before the chamber by the prosecution. You may now proceed. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste, pour essayer de raccourcir ce débat, préciser deux choses. D'abord, les documents qui seront présentés ce matin sont bien tous des documents qui ont été clairement identifiés et qui ne feront pas l'objet de cette objection. Pour le reste, nous allons examiner l'email que personnellement je n'ai pas vu ce matin et bien entendu procéder aux vérifications, mais à ma connaissance, tous les documents que nous comptons présenter figurent bien sur la liste qui a été envoyée en juillet
et qui concerne donc tant l'évacuation de Phnom Penh que le deuxième mouvement forcé que tout ce qui concerne la phase 1 du procès, c'est-à-dire contexte historique et les autres sujets qui tombent bien dans le cadre de ce procès. Donc nous verrons cet après-midi, en attendant on va procéder aux vérifications ce matin, et nous pourrons alors vous dire si jamais dans cette liste il y avait effectivement un ou deux documents qui ne figuraient pas sur cette liste et qui pourraient s'écarter du contexte décrit dans votre mémorandum, mais je ne crois pas que ce sera le cas. En tout cas, pour ce matin, cette objection ne rencontrera pas beaucoup de succès parce que tous les documents que nous allons présenter sont des documents connus et qui ont déjà fait l'objet, pour certains, pour l'essentiel, de débats dans le cadre de la discussion sur les annexes 1 et 5 ou dans le cadre de l'interrogatoire de l'accusé Nunchia. Voilà ce que j'ai à dire pour le moment. Merci. After having heard the argument by parties, nous avons entendu les arguments des parties. Now the chamber would like to proceed to the presentation by the prosecution on the document to be presented. You may now proceed. Par l'accusation, je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Ce matin, nous allons donc vous présenter une douzaine de documents importants qui sont relatifs à l'histoire générale du parti et au développement, dès avant avril 1975, de certaines politiques. Ces politiques sont bien souvent les mêmes que celles qui seront appliquées intégralement ou renforcées après le 17 avril 1975, d'où l'intérêt d'en discuter. Il y a donc selon nous une certaine continuité entre la période qui précède la prise de Phnom Penh et celle qui la suit. Nos collègues cet après-midi et demain se pencheront sur des documents qui concernent eux tout particulièrement le passé, le rôle, et les activités des trois accusés avant la prise de Phnom Penh. Comme la liste des documents a été communiquée par avance aux parties, nous n'avons pas l'intention de fournir de copies papier de chacun des documents aux accusés. Et comme l'a indiqué la défense de M. Nunchia, cette équipe, en tout cas, pourra s'en charger pour ce qui concerne leurs clients. Nous ne produirons pas non plus d'originaux. Alors, un certain nombre de documents clés concernant l'histoire du mouvement et du Parti communiste avant le 17 avril 1975 ont été écrits et diffusés avant la prise de Phnom Penh. D'autres documents qui sont essentiels à la compréhension de l'histoire du Parti et de son idéologie consiste en bonne partie en des discours qui ont été retranscrits ou d'autres documents publiés par le parti lui-même et ses dirigeants après avril 1975. En ce sens, l'on ne peut exclure totalement, comme l'ont constaté les co-juges d'instruction au paragraphe 18 de leur ordonnance, que, je cite, « le parti ait pu avoir tendance à réécrire sa propre histoire ». Fin de citation. Cependant, tous ces documents présentent la vision du Parti communiste du Kampuchea, de son histoire propre. Cette histoire est corroborée par de nombreux autres documents, déclarations et témoignages qui figurent au dossier. Et j'en viens au premier document que nous vous présentons ce matin. Ce sera assez rapide puisqu'on en a déjà parlé lors des débats. Il s'agit du document qui porte la référence IS 6.3
une décision du comité central sur un certain nombre de problèmes datée du 30 mars 1976. Je reviens à ce document parce qu'il donne un certain nombre de dates clés dans l'histoire du parti, des dates et des événements qui, pour l'essentiel, ont déjà été confirmés par l'accusé Nuncia à l'audience ou par l'accusé Kyu Sampan dans ses livres. Alors, dans ce document, IS 6.3, si l'on se réfère au point 5, qui s'intitule l'histoire du parti, il est dit, je cite, « L'anniversaire du parti est fixé à 1960 et non pas à 1951 pour ne pas mélanger avec d'autres et pour être complètement distingué. » Fin de citation. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une référence à la création en 1951 des partis vietnamiens et laotiens à la suite de la dissolution du Parti communiste indochinois. Le PCK tient à ce que la création du Parti révolutionnaire du peuple khmer à la même période soit donc clairement distinguée de celle des autres partis, d'où l'adoption de l'année 1960 comme année de création du parti. Le point suivant pour ce document, c'est le point 8, qui parle des journées de commémoration des événements historiques. Et je vais citer quelques dates qui sont jugées importantes par le comité central dans cette décision, mais je vais plutôt le faire dans l'ordre chronologique plutôt que dans l'ordre d'apparition dans le document. Tout d'abord, points 10 et 11, c'est l'anniversaire de la création de l'Organisation de la jeunesse masculine démocratique du 5 février 1961 et son pendant féminin le 10 juillet 1961. Deuxième date, l'anniversaire de la naissance de l'armée révolutionnaire. C'est la journée de la lutte armée dans tout le pays. Elle est fixée au 17 janvier 1968. Au point 7, la commémoration de la journée du coup d'État des réactionnaires, c'est le 18 mars 1970. Il s'agit donc du coup d'État de Lon Nol. Autre événement, la journée de l'organisation du renforcement et de l'extension de notre Front national démocratique, je cite, est fixée au 23 mars 1970. C'est la date de l'appel de Sihanouk. Au point 13, est mentionné l'anniversaire de la création de l'organisation du syndicat d'agriculteurs fixé au 20 mai 1973 et c'est donc la date qui a été retenue pour la création des coopératives. Enfin, deux dernières dates, la journée de l'ouverture de l'attaque finale est fixée par le comité central au 1er janvier 1975 et puis la fête de l'indépendance qui est considérée comme étant la plus grande fête nationale, c'est-à-dire le 17 avril 1975. Voilà pour ce document IS 6.3. À moins que les accusés n'aient une réaction, je pense que je passe directement au document suivant. Il s'agit du document D243-2.1.12, ou plus facile, la référence E3-11, un numéro de l'étendard révolutionnaire de septembre 1977. Le juge Lavergne s'est référé à un autre document au contenu similaire, qui est le document IS 4.40, lors d'une audience précédente.
Comme beaucoup a déjà été dit sur ce document, qui consiste en un discours fleuve de Pol Pot, prononcé à l'occasion de l'anniversaire de la création du parti, je vais me limiter à certains autres points qui figurent dans ce document. D'abord, ce discours est riche en informations concernant certaines dates clés de l'histoire du parti, qui vont rejoindre celles qui ont été exposées à l'instant dans la décision du comité central, mais ce discours est aussi incontournable en ce qui concerne les lignes stratégiques et politiques du parti et en ce qui concerne le sort réservé aux ennemis de la Révolution. Alors tout d'abord, les dates clés dont il est question dans ce discours sont les suivantes, et à moins que ce soit absolument nécessaire, je ne pense pas qu'il soit utile de citer chaque fois l'ensemble des numéros IRN pour ces dates. Il y a d'abord l'année 1957. Pol Pot parle de la nomination d'une commission chargée de l'élaboration de la ligne politique du parti selon les principes marxistes-léninistes. Et vous vous souviendrez que Nuncia en a parlé à l'audience. Toujours dans l'ordre chronologique, il est fait mention dans ce discours du 28 au 30 septembre 1960, les trois jours où se sont tenues la première assemblée générale ou congrès des représentants du parti à l'échelle nationale à Phnom Penh dans la gare, une réunion qui rassemblait 21 représentants des paysans et des travailleurs. Ensuite, Pol Pot parle des années 1964 à 1967, des années où la résistance révolutionnaire s'organise et où des manifestations ont lieu à Phnom Penh. Il signale en passant en 1967 le soulèvement de Samlot, et au milieu de l'année 1967, la décision prise par le parti de commencer la lutte armée en 1968 en vue d'attaquer les ennemis et de défendre la révolution. Pol Pot mentionne qu'en janvier 1968, c'est le début de la lutte armée dans la zone nord-ouest, suivi dans les mois qui suivent de la lutte armée qui se développe dans toutes les zones. Toujours concernant cette année 1968, Pol Pot affirme qu'à ce moment-là, le bureau du comité central est toujours situé à Ratanakiri. Il mentionne bien entendu la guerre de 5 ans qui a lieu de 1970 à 1975, mais surtout il se penche sur l'année 1963 et la création des coopératives qui, selon lui, représentent la structure collectiviste de la population. Et Pol Pot dit des coopératives ce qui suit à la page en français 00492846, en anglais 00486256, et en khmer 00063174. Je cite. Durant la guerre, les coopératives étaient des sources qui ravitaillaient toutes les forces, à savoir les forces armées, les forces économiques, les forces de transport et les autres forces. Après la guerre, elles ont été capables de fournir entièrement tous les moyens de subsistance dans tous les domaines aux nouveaux habitants qui viennent ou qui venaient d'être libérés le 17 avril 1975. Fin de citation.
La date suivante qui est mentionnée par Pol Pot dans son discours, c'est celle de juin 1974, où il reconnaît qu'a eu lieu une réunion du comité central du parti, où il est décidé de, je cite, mener à tout prix une attaque finale pour libérer Phnom Penh et le pays tout entier. Fin de citation. Et enfin, les deux dernières dates, 1er avril 1975, qui constituent la libération de Neak Leung, N-E-A-K-L-O-E-U-N-G, avant la libération de Phnom Penh le 17 avril 1975. Toujours concernant ce document, je vais m'attarder sur quelques citations qui concernent les lignes politiques stratégiques et l'identification des ennemis. À la lecture de ce document, il semble que, selon Pol Pot et le régime, l'identification des ennemis provienne initialement de l'analyse qu'ils ont fait de l'histoire de leur pays et spécialement de la lutte des classes durant ces différentes périodes, c'est-à-dire, premièrement, sa période esclavagiste, comme il l'appelle, puis sa période féodale, et enfin sa période féodale et capitaliste. À la page en français 00492802, en anglais 00486218, et en khmer 00063125. Pol Pot affirme que, je cite, dans la société esclavagiste, les oppresseurs étaient les maîtres des esclaves. Quant aux opprimés, ils étaient les esclaves, les valets. Ces deux groupes de personnes étaient l'objet d'un antagonisme inconciliable, un antagonisme de vie ou de mort. À la page suivante, concernant la société féodale, il dit « Dans la société féodale, il y avait deux classes, la classe féodale des propriétaires terriens et la classe paysanne. » Pol Pot explique que, tant sous les sociétés esclavagistes que féodales, la classe opprimée a lutté contre la classe opprimante, mais qu'elle n'a pas réussi par manque de ligne politique claire. Plus tard, dans la société féodale et capitaliste, la troisième forme de société, après la Seconde Guerre mondiale, Pol Pot dit que des mouvements de résistance contre les colonialistes et impérialistes étrangers ont existé, mais, encore une fois, qu'il manquait d'une ligne politique révolutionnaire adéquate. Et Pol Pot conclut à la page en français 00492808, en anglais 00486222, et en khmer 00063132. Il conclut donc ce qui suit. Je cite, dans le passé, nous ne possédions pas de ligne politique. La population subissait des défaites à cause de l'absence d'une ligne correcte. Il n'y avait pas de ligne politique pour combattre les ennemis de l'extérieur, qui étaient les envahisseurs, ni de voie pour combattre les ennemis des classes oppressives du pays. Fin de citation. D'où la nécessité d'adopter une ligne stratégique fondamentale de la révolution nationale démocratique au premier congrès du parti le 30 septembre 1960 et de la consigner dans des premiers statuts. Alors, je ne vais pas m'étendre très longuement sur la ligne stratégique fondamentale du parti en 1960, car mon collègue Dale Isaac l'a déjà fait précédemment lors des audiences, mais tout de même, Pol Pot souligne que la société était composée de cinq classes sociale bien définie. Et il dit, il y avait la classe ouvrière, la classe paysanne,
la classe des petits bourgeois, la classe des capitalistes et la classe des féodaux. Il parle ensuite d'inextricable antagonisme ou d'antagonisme inconciliable, surtout entre les paysans d'une part, qui constituaient la force fondamentale, puisque selon lui, c'était 85% de la population, et d'autre part, les propriétaires terriens. Et il explique à la page en français 0049-2817, en anglais 0048-6231, et en khmer 00-06-31-42, je cite, « Il fallait que les paysans très pauvres exterminent les voleurs de terre. » Un peu plus loin, Pol Pot précise encore par rapport aux ennemis. Je cite, « Il y avait deux ennemis qu'il fallait combattre. Le premier ennemi était les impérialistes, et en particulier l'impérialisme américain. Le second ennemi était la classe des féodaux et des propriétaires terriens, et la classe des compradors réactionnaires. » Alors, pour lutter contre ces ennemis, Pol Pot déclare qu'il fallait rassembler tant les forces stratégiques que les forces tactiques. Et il dit à la page en français 0049-2821, en anglais 0048-6234, et en khmer 0006-3146. Il dit donc, je cite, « Nous avions considéré les forces des ouvriers et des agriculteurs comme les forces stratégiques fondamentales. » À la page suivante, il dit, « Quant aux forces tactiques, c'étaient les notables qui faisaient partie des féodaux aristocratiques, des capitalistes compradors et des propriétaires terriens qui, avaient accepté de mener des luttes peu ou prou contre les ennemis. Nous devions nous efforcer de les rassembler tout de même. Même Samdek Pennut et Samdek Norodom Sihanouk, le chef suprême des moines de la branche Moanikai, Chuonnat, et le chef suprême des moines de la branche Tomayut, nous devions prendre soin de les recruter comme force également. Nous devions rassembler tout ce qui était possible. Fin de citation. Vous comprenez donc tout de suite ce qu'il veut dire par force tactique. Et à propos de ces forces tactiques et de ces ennemis, Pol Pot explique à la page en français 0049-2822, en anglais 0048-6235, en khmer 0006-3146, que je cite, premièrement, il fallait séduire tous les ennemis qui pouvaient être séduits dans certaines occasions. Deuxièmement, il fallait neutraliser un certain nombre de gens pour qu'ils ne puissent pas mener d'action contre nous. So they could not carry out actions et troisièmement, il fallait isoler les gens féroces en vue de les combattre. Fin de citation. Voilà donc pour l'utilisation de ces forces tactiques. What regards the usage of these tactical forces. Enfin, je voudrais souligner un passage qui concerne directement l'aversion, plutôt la haine, du régime pour les villes et ses habitants, et qui, à notre sens, pouvait justifier à lui seul déjà l'évacuation des villes. Dans son discours, Pol Pot explique, à la page en français 0049-2826, en anglais 0048-6232-38, et en khmer 0006-3150, jusqu'à la page suivante, il explique, je cite, « La campagne
était notre appui et notre voie de fonctionnement. Was our support base. Pour quelles raisons n'avions-nous pas pris la ville comme appui? Why did we not take la the ville city ne pouvait as a pas support base. Nous servir d'appui. The city could not serve as a support Certes, base. Elle avait de nombreux of habitants, course, the city had mais son espace people, était limité but it had limited space, et les ennemis étaient and partout. The enemies were everywhere there. L'Assemblée nationale se trouvait là. The assembly was there. Le tribunal the se courts. Trouvait là également. La prison the se prisons. Trouvait là. La police the se police. Trouvait là. L'armée se trouvait là. And the soldiers. Tout se trouvait là. Everything was there. Le filet des ennemis the était très serré et les classes sociales en ville étaient mixtes et complexes. Complex. Quant à la campagne, By contrast, c'était vaste the countryside et étendue. Was vast. Les ennemis étaient the peu nombreux et dans certains villages, il n'y avait pas d'ennemis, villages, il n'y avait pas no de militaires. There were no soldiers. Le nombre des habitants et des agriculteurs était important et les éléments de classe étaient favorables également. Were in our favor as C'est la raison this pour laquelle nous avions choisi la campagne comme base de la révolution. As a support base for the revolution. End of quote. J'en viens au troisième document. Let me now move on to the third document. Il s'agit du document E3/5 qui porte aussi la référence D243/2.1.1. Un numéro de l'étendard révolutionnaire. This is an issue of revolutionary flag d'août 1975. Il s'agit donc d'un exemplaire de cette revue officielle qui a été diffusée peu de temps après la prise de Phnom Penh. That was published a little while Il comporte quatre articles, of Phnom Penh, mais les deux premiers nous intéressent particulièrement. Like to focus especially on the two first articles. Et je vais insister and sur I'm le premier qui est intitulé in first article, Les cadres, les membres du parti, la population et l'armée révolutionnaire doivent être en accord avec le parti pour examiner et pour évaluer la situation en vue d'accomplir les nouvelles tâches avec succès par bond en avant. Cet article important a trait à la situation économique et financière du parti de mars 1970, date du coup d'État de Lon Nol, jusqu'à mars 1975, à la veille de la prise de Phnom Penh. Dans cet article, on revient sur la domination initiale de l'économie et des finances par les propriétaires terriens, les commerçants et les capitalistes, notamment en ville. And the domination of Cette analyse justifie in the cities. This analysis qu'à partir de mi-1973, le parti est anéanti party has les anciens rapports d'oppression selon Pol Pot et les dirigeants, Pol Pot, que ce parti ait mis en place le système des coopératives et éliminé les espions des commerçants qui envoyaient les commerçants et capitalistes travailler à la campagne. And sent the shop owners to work in the countryside. Vous verrez donc que cet article a trait à la fois à la définition des classes et de certains ennemis de la Révolution, mais aussi à la création des coopératives et à la fermeture des marchés. Il contient certaines justifications de l'évacuation des villes, et notamment celle de Kratié, bien avant le 17 avril 1975. Dans une première partie, IRN français 00538953, en anglais 00404014478, et en Khmer 00063313. L'article explique quelle était, selon le parti, la situation économique et financière du parti du milieu de l'année 1970 jusqu'au milieu de l'année 1973. Et il dit ceci à propos du point 1, des terres et de l'agriculture. L'État a exproprié les terres des traîtres et des transfuges qui se sont ralliés aux ennemis. Il explique aussi, je cite, « Notre révolution a réduit en partie l'oppression exercée par les féodaux
et les propriétaires terriens sur la propriété privée. L'auteur souligne là qu'il s'agit de points positifs. However, il dit aussi à la page suivante, page, au point B en français, point B in French, je cite, and I quote, le statut privé subsistait de manière générale. Privatism remained les privés in general. Restaient toujours les maîtres. They exemple, were still acting as landowners. Les propriétaires For example, terriens, the landowners, les agriculteurs riches, the rich peasants, les paysans middle de la peasants, classe moyenne, the poor peasants, les paysans pauvres et les travailleurs and manuels, the laborers, à qui l'État avait attribué the des terres, distributed lands, travaillaient leurs terres sur un système privé. Privately. Tous les fruits All de la récolte se retrouvaient entre les mains des privés. Private hands. Qui étaient Which donc ces privés private persons? C'étaient les commerçants the businessmen, et les capitalistes. The capitalists. Et il conclut, and par ce biais-là, les récoltes tombaient entre them, les mains des ennemis. The harvests would fall into fin the hands of the enemy. End of quote. Et la page qui suit and encore, page, il dit, again, it is said, je cite, il s'agissait quote, bien de notre révolution, this was our de notre propre pouvoir, for our own de notaire, power, for our own mais nous land, n'étions pas les maîtres. But we were not the masters. Fin citation. End of quote. À propos de l'artisanat et de l'industrie, now, à la page en français 0053-89-55, en anglais 0040-14-80, et en khmer 00-06-33-15, il est dit ce qui suit. The following is stated. Je cite, Let me les quote. Capitalistes the capitalists ne se positionnaient pas comme des nationalistes qui fonctionnaient dans la perspective de servir la vie des habitants et la guerre de libération nationale. Ils ne pensaient qu'à collecter les récoltes, à tuer la révolution, à tuer la guerre de libération nationale, à tuer les habitants. Fin citation. Quant au commerce, c'est la page commerce, qui suit, and that's on the following page, je cite, le secteur quote, privé The private sector extorquait quand il achetait des marchandises aux habitants. Would steal il extorquait quand il achetait des marchandises aux ennemis pour les revendre à l'État. When they would buy, en fin de compte, ils faisaient du profit to the de state, tous les côtés. And they would fin de citation. Make profits on all sides. Et plus loin, il est and encore further, dit, it is je said, cite, again, le secteur privé the private faisait sector tout ce qu'il voulait. Was entirely free to do what it wished. Il restait toujours les maîtres. They remained the masters. Le riz décortiqué était entre Rice leurs mains. Was up to them. Le sel Salt était entre leurs mains. Them. L'essence Gasoline était entre was leurs up mains. To them. Les tissus Cloth étaient entre was leurs up to mains. Them. Les engins And étaient machinery également was also entre leurs mains. Up to them. Ils dominaient notre But État. They, our state Et was suit alors l'exemple du marché de Cratchit. The author mentions cite, the example of the Cratchit market. Le marché de Cratchit est resté identique was approximately the same comme as du before. Temps de l'ancienne société. Quant à nos guerrieros, ils n'avaient ni chemise Our ni pantalon qui soient dignes no de ce nom. No pants ils erraient désespérément. Cela voulait dire que les privés étaient toujours les maîtres, the private owners were still les commerçants the masters, étaient les maîtres and that du the shopkeepers pays. Were the masters of the country. Et l'article poursuit en disant, concernant les finances, again regarding finance, je cite, « Cependant, c'était however, les capitalistes, les grands commerçants qui étaient les plus fortunés, qui accumulaient le plus d'argent pour pouvoir acheter des denrées. » Fin de citation. To buy products. End of quote. Et l'article conclut ce and the article chapitre par ce qui suit concludes à la page 0053-8957 en français, 3, 8, 9, 5, 7, en anglais 0040-14-81 et en khmer 00-06-33-17. Je cite. And I quote, en somme, en examinant la situation summary, économique et financière dans tous les domaines du milieu de l'année 1973, notre parti s'est aperçu qu'on avait le pouvoir militaire, le pouvoir politique, mais on était complètement dominé par les commerçants sur le plan économique et financier. De ce fait, les tâches politiques et économiques accomplies ne servaient pas suffisamment à la guerre de libération nationale and serving the lives la of the people were insufficient.
Au contraire, si on avait continué de cette façon, cela aurait été dangereux. Les commerçants seraient devenus les maîtres, ils auraient été les maîtres de l'armée, les maîtres de la révolution, les maîtres de la population. Fin de citation. Dans la seconde section de ce même article, qui est intitulé article, is Les étapes de l'évolution de la situation économique et financière du parti, à compter de la moitié de 1973 jusqu'au début de 1975, il est dit à la page en français 00538958, en anglais 00404042, en Khmer 00063318. Il est dit donc que, je cite, durant cette période, donc, mi-73, début 75, on n'a pas fait de réforme comme auparavant. On a fait la révolution démocratique absolue. Fin de citation. Et sous le titre 1, concernant le problème des terres et l'agriculture, il est dit, on a réussi à anéantir les anciens rapports de production d'oppression d'une manière générale. Les commerçants, les hypothèques, les concessions, les achats ou les ventes à crédit ont été supprimés. Dans les régions libérées de la première catégorie, on a organisé et généralisé le système de la coopérative progressivement, rapidement, alors que dans les régions libérées de la deuxième catégorie, cela s'est fait à une vitesse plus lente, mais cela a avancé quand même. On a supprimé la propriété privée des terres, la propriété privée des moyens de production, et on a imposé la propriété de coopératives de façon générale. Fin de citation. End of quote. Juste en dessous, and sous le titre « Conséquences », au premier point, il est dit « La récolte agricole, en particulier la récolte du paddy, était entre les mains de la révolution. Alors les commerçants, les capitalistes se mettaient à bâiller. Ils n'étaient plus les maîtres. C'était la révolution des habitants qui étaient devenus les maîtres. » Au quatrième point, on a réussi à éliminer les agents de renseignement, les espions et la guerre psychologique. And psychological war were eliminated. Et à la page en français 00538959, en anglais 00401483, et en Khmer 00063319, il est dit, the following is stated. Et les commerçants, comment étaient-ils? Ils nous ont insultés terriblement. En réaction, ils ont créé des faux résistants, des espions. Ils ont fait de la guerre psychologique. Ils se sont organisés ainsi. Pourtant, ils n'ont pas réussi. Et enfin, pour en terminer avec ce premier article, sous le titre 3, commerce, conséquences. And the outcome. Il est dit à la même page que and je viens de citer. On the same page as I just mentioned, it is said the following. Je cite, le commerce d'État a été résolu d'une manière générale. Les habitants étaient heureux. State commerce was fundamentally sorted out. L'armée elle aussi était contente. The people were happy. The troops Par contre, were happy. Les commerçants, But eux, n'étaient pas heureux. Were not happy. Ils ne pouvaient plus nous sourire. They were out of smiles ils ne nous for dominaient us. Plus. We were not subjugated Avant, ils paradaient them. Devant nous. Previously, they were playful Après, towards us. On Now, leur a ordonné we have them production labor. We ordered d'aller them to faire do production des travaux labor. Manuels, de lancer la campagne risicole comme tout le monde. Just like everyone else. Ils n'ont pas réagi violemment They did not parce que la population était satisfaite de la révolution, parce que l'armée était satisfaite de la révolution. Fin de citation, et vous voyez qu'est justifiée l'évacuation des villes déjà avant celle Justified the evacuation of the cities before Phnom Penh was evacuated. J'en viens au deuxième article. And now let me move on to the second article. Du même document. In the same document. Il s'agit alors du discours de Pol Pot. This is Pol Pot's speech, qui est désigné dans ce which is, referred cet article comme étant in this article, le camarade chef who is referred to as du being comité suprême militaire du parti. Of the Supreme Military Committee un discours of daté the party. Du 22 juillet 1975 à une cérémonie qui concerne l'armée révolutionnaire du comité central organized for the Revolutionary du parti. Army of the Central Committee of the party. À la page en français 00538966,
en anglais 00404014 1 4 00 00 6 3 3 2 8 sous le titre 2 qui concerne l'histoire de la formation de l'armée révolutionnaire du Kampuchea sous la direction du Parti communiste du Kampuchea, Pol Pot dit ceci. Je cite. La ligne stratégique et tactique du Parti communiste du Kampuchea a été rédigée très clairement et très correctement comme un fondement en 1960 au cours de la première Assemblée générale du Parti. Bien que notre parti ait vu le jour en 1951. C'est une citation qui est reproduite au paragraphe 20 de l'ordonnance de clôture, mais dans ce discours, il y a plus que cela. Pol Pot dit aussi, un peu avant sur la même page, et selon nous, il s'agit encore d'une référence aux lignes politiques stratégiques adoptées au premier congrès de 1960. Je cite, notre armée révolutionnaire est née d'une ligne politique stratégique du Parti communiste du Kampuchea, dans laquelle il y avait un article qui disait, qui stipulait, les ennemis utilisent la violence, se servent de la férocité et des armes sur le plan politique et militaire afin d'opprimer, de massacrer et de ruiner la population. Par conséquent, le parti doit apprendre au peuple à utiliser la violence, à venger le sang, aussi bien sur le plan politique que sur le plan militaire. Fin de citation. Et Pol Pot continue, je cite. En d'autres termes, le parti devait se servir de la violence révolutionnaire, devait rassembler les habitants en vue d'utiliser la violence révolutionnaire contre les réactionnaires, les gens des classes opprimantes, contre les colonialistes et les impérialistes. Fin de citation. Toujours à la même page, Pol Pot précise que l'armée révolutionnaire à cette époque avait beaucoup de noms, mais que l'un d'entre eux était Unité secrète des agents de sécurité. Décrivant ses tâches, Pol Pot dit de cette unité secrète, je cite, il fallait écraser les ennemis et les différents réactionnaires en cachette en tant qu'espions afin de protéger le parti, la révolution et la population. Fin de citation. And, the revolution, end of quote. À la page suivante, il parle de 1967. He speaks about 1967, and he says, en 1967, les unités secrètes d'agents de sécurité se sont accrues dans toutes les régions. L'antagonisme entre les classes opprimantes telles que le féodalisme, le capitalisme, la classe des gens qui étaient dominés par l'impérialisme américain et la population était devenu très aigu. Il était impératif de préparer et de transformer ces agents de sécurité en guerrieros, en petites ou moyennes unités de guérilla dans toutes les régions. Et ensuite, il dit encore, je cite, ces unités de guérilla sont devenues notre première armée révolutionnaire qui s'est battue contre les ennemis en 1968. Fin de citation. À la page français 00538969, en anglais 00401494, et en Khmer 00063332, Pol Pot dit ce qui suit, je cite, en 1968, on a attaqué 17 provinces sur 19. In 17 of the 19 provinces. En 1969, on a frappé tout le pays. Par conséquent, le mouvement de la guerre révolutionnaire à l'époque a évolué en suivant la ligne politique la plus juste du parti, c'est-à-dire la ligne de la violence révolutionnaire et la ligne d'autonomie, d'indépendance et d'autosubsistance. Fin de citation. Ensuite, à la page 00538972 en français,
En anglais, 004-0-14-97-00-06-33-36. Il confirme ce qui s'est passé à la moitié de 1974 et il dit, je cite, à la moitié de 1974, on a décidé de prendre Phnom Penh et le pays tout entier durant la saison sèche entre 1974 et 1975 à tout prix. Fin de citation. Il s'agit ici encore d'une référence à la réunion du comité central de juin 1974 dont Nunchia nous a déjà parlé plusieurs fois lors des audiences. During the hearings. À propos des coopératives, enfin, finally, et de la victoire du 17 avril 1975, Pol Pot poursuit à la page 0053-89-74 en français, en anglais 0040-14-99 et en Khmer 00-06-33-38-39. Je cite, la deuxième cause qui nous a permis de remporter nous ces grandioses victoires venait du fait que nous avions le peuple avec nous. Et il poursuit, cette population était une population dont la conscience idéologique révolutionnaire était élevée et dont la conscience politique révolutionnaire était également élevée. Et tout particulièrement, c'était une population qui était déjà organisées en coopératives. Ces coopératives représentaient une ligne organisationnelle qui était extrêmement efficace, et cela dès 1973-1974 et jusqu'en 1975. Fin de citation. Si vous le permettez, Monsieur le Président, est-ce que je peux poursuivre avec un quatrième document qui va prendre, je crois, 5 à 8 minutes avant la pause. Ce quatrième document porte la référence E3/50 et la référence D366/7.1.61. C'est donc une publication du parti qui est intitulée Le troisième anniversaire de l'organisation des coopératives paysannes. 20 mai 1973 jusqu'au 20 mai 1976. Ce document met en avant une nouvelle fois le rôle crucial des coopératives dans la conquête du pouvoir par le biais du contrôle de l'économie arrachée aux ennemis, qui étaient les féodaux, les propriétaires terriens et les capitalistes, comme on l'a vu. Par ailleurs, le régime de travail qui était instauré au sein des coopératives préfigurait déjà ce qui allait advenir après le 17 avril 1975. Car les tâches consistaient déjà à produire du riz et d'autres plantes stratégiques, mais aussi à construire des barrages et à creuser des canaux. Alors voici un certain nombre de citations. D'abord, à la page 0062-3782 en français, 0063-6008 en anglais et 0044-2207 en khmer. Je cite. Le 20 mai 1973, le parti a décidé de mettre en place des coopératives paysannes. La décision de la création des coopératives paysannes représentait un événement de caractère historique considérable. Fin de citation. À la page suivante, encore une fois, les mots utilisés dans d'autres publications reviennent. Et il est dit ceci, je cite, en 1972 et en 1973, le parti a pris des mesures pour organiser le peuple sur le plan politique et idéologique pour frapper la domination économique des propriétaires terriens et des capitalistes, pour rompre le système privé du commerce, pour prendre en main le commerce, pour éliminer les anciens rapports de production, pour mettre en place de nouveaux rapports de production et enfin pour créer des coopératives. Dès lors que nous sommes arrivés à mobiliser les forces
populaire de base sous la forme d'une alliance entre les ouvriers et les agriculteurs, nous pouvions alors mobiliser les forces des couches supérieures. The base forces in the form of an alliance between the workers and the farmers. En français, à la page 00623784, en anglais 00636011, et en khmer 00442210 jusque 00442211. L'article poursuit, je cite: les coopératives ont également impulsé le mouvement de l'offensive contre les ennemis sur le plan politique de façon très puissante. Comme nous avions une force d'alliance entre les ouvriers et les agriculteurs qui était inébranlable, nous avons réussi à mobiliser très largement les forces nationales, à isoler des ennemis le plus possible, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Fin de citation. Et vous voyez toujours cette obsession des ennemis qui revient à n'en plus finir. Deux passes plus loin, il est dit: l'organisation des coopératives résultait d'une mobilisation des forces paysannes pauvres et des forces paysannes de la classe moyenne inférieure. Fin de citation. Encore plus loin, il est dit à propos des années 73 et 74 que, je cite, la classe féodale, la classe des propriétaires terriens, la classe capitaliste et les étrangers qui ont perdu leurs avantages à cause des coopératives se sont fortement opposés aux coopératives. Cependant, ils ne pouvaient rien faire. En fin de compte, ils furent écrasés par nos coopératives paysannes au fur et à mesure. Fin de citation. À la page française 00623789, en anglais 00636015, et en khmer 00442216, il est dit: en se fondant sur les coopératives paysannes, non seulement le parti a fait effondrer la classe des féodaux et des propriétaires terriens, mais il a également anéanti la classe capitaliste dans les villes et la classe des agriculteurs riches dans les campagnes. Et ce document vient alors expliquer les vrais motifs de l'évacuation des villes après la libération, selon nous. Ce n'était pas, comme le disent les accusés, pour des raisons alimentaires ou pour par crainte des bombardements américains. L'évacuation était l'œuvre finale et nécessaire permettant de parachever la révolution. C'est ce que dit ce document. Et je vais citer un passage à la page 00623789 en français, 00636015 jusqu'à 16 en anglais, et 00442217 en khmer. Je cite: après la libération, nous avons déporté tous les habitants hors de la ville de Phnom Penh et des chefs-lieux que nous venions de libérer. Nous avons fait abattre les marchés du régime privé des grands capitalistes, des capitalistes moyens, des petits capitalistes, des artisans. Nous avons abattu jusqu'au régime privé des travailleurs manuels, complètement. Ceci devait achever la révolution nationale et démocratique entièrement et définitivement, et devait continuer la révolution socialiste. Nous avions pu procéder de cette façon parce que nous avions une base révolutionnaire socialiste dans les régions libérées, et en particulier nous avions les coopératives paysannes. S'il n'y avait pas eu de coopératives paysannes dans les campagnes, nous n'aurions pas pu procéder de cette façon, en aucun cas. Fin de citation. Voilà les choses qui sont dites par le parti lui-même, qui paraissent claires. Et pour terminer sur cet article, concernant la propriété privée par rapport à la collectivisation, le document précise encore, à la page
00623809 en français, 00636037 en anglais et 00442241 jusque 42 en khmer. Je cite: la position du parti dans le passé comme de nos jours et comme dans le futur consiste à éradiquer les propriétés privées de tout genre, coûte que coûte, jusqu'à l'extinction, hors du parti, hors du rang de la révolution et hors de la nation. Éradiquer sans consentir aucun compromis. Fin de citation. Monsieur le Président, souhaitez-vous marquer une pause à ce moment-ci pour mon intervention? Merci. The President, it is now time to take a short adjournment. The chamber will take a short break until 11. The Defense Counsel for Yang Sari is on his feet. You may proceed. Mr. Ang Odom. Maître Ang Odom. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Good morning, Your Honours. Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Due to health reason of my client, Mr. Yang Sari is now requesting that he be excused from this courtroom à être excusé du prétoire pour raison de santé. Il demande autorisation de suivre l'audience depuis la cellule temporaire et ce pour toute la journée. We will, of course, submit to bien entendu, nous the allons chamber, présenter à la Chambre request le document idoine. The President, le Président, having heard the oral request by the Defense Counsel for Yang Sari, est saisi d'une requête orale de la défense de Yang Sari, excuse himself from this tendant courtroom, à ce que son client from the holding suivre l'audience depuis la cellule temporaire pour raison de santé. Reason, chamber grant the la Chambre leave fait for droit Mr. à cette demande. Not to be present in the courtroom, and he may follow the proceeding from the holding cell downstairs through the audio-visual link. L'accusé Yang Sari peut however, suivre l'audience the chamber à distance. Requires that the Defense Counsel for Yang Sari submit the est tenu de letter déposer of favor le document de renonciation portant la signature et l'empreinte digitale de l'accusé. Audio-visual equipment technician, les services techniques ont instruction de brancher le matériel so that the accused can follow de façon à ce que l'accusé puisse suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Security guards are now instructed agent de to sécurité, bring Mr. Yang Sari amener to the holding cell downstairs. L'accusé Yang Sari dans la cellule temporaire. Nous suspendons l'audience.